Je sais pas, je pense. Alors, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Très, très bien. On peut commencer? Oui, oui. Voilà. Est-ce que l'écran est partagé? Oui. Parfait. Voilà. Donc, bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Ça ne va pas nous prendre beaucoup de temps. Je sais que vous avez eu beaucoup, enfin plusieurs cours aujourd'hui. Donc, je vais essayer d'être bref et je vais donner l'essentiel. Voilà. Donc, la conférence d'aujourd'hui va parler des cardiopathies congénitales. Alors, qu'est-ce que c'est des cardiopathies congénitales? Bon, ce sont toutes les malformations cardiaques et cardiovasculaires survenant à différents stades de l'embryogenèse. Ça veut dire dès la formation du système cardio-circulatoire, dès le début. Tout ce qui va influencer cela va entraîner des malformations cardiaques et aussi vasculaires. Donc, toute malformation cardiaque et cardiovasculaire survenant à différents stades de l'embryogenèse, en particulier lors de la formation embryonnaire du cœur. On sait très bien qu'à partir déjà de la 6e, 7e semaine du développement embryonnaire, le cœur primitif est déjà mis en place. Voilà. Bon. Quel est... Voilà. Ça, c'est à peu près une petite caricature sur ce qu'on va... Enfin, congenital heart defect, ça veut dire c'est un aperçu sur les différentes cardiopathies congénitales. Voilà, on va les voir. L'incidence, ce n'est pas très fréquent, mais ce n'est pas très rare. Donc, 5 à 8 pour 1000 naissances vivantes, suivant les statistiques. Donc, finalement, ce n'est pas négligeable. Quels sont les facteurs favorisant ces malformations? Voilà. Donc, essentiellement, il faut chercher les aberrations chromosomiques, les malformations génétiques, trisomie 21, essentiellement. Les délétions chromosomiques, voilà. Donc, pathologie infectieuse durant la grossesse, très important, il faut demander les antécédents. Donc, il faut demander la maman comment a-t-elle mené sa grossesse. Est-ce qu'elle a eu des problèmes? Est-ce qu'elle a eu des infections? Donc, essentiellement, on a peur de la rubéole et de la toxoplasmose qui vont donner des syndromes polymalformatifs dans les malformations cardiaques. Voilà. Alors, troisièmement, certaines prises médicamenteuses, essentiellement durant la grossesse, donc telles que certaines chimiothérapies, le lithium, etc., essentiellement ça. Parfois, les cardiopathies congénitales alors surviennent chez un nouveau-né ou chez un enfant sans cause évidente. Voilà, donc juste une petite remarque, il faut savoir qu'un nouveau-né de mère diabétique a plus de risques d'avoir des cardiopathies congénitales. Voilà. Donc, quelles sont les principales cardiopathies congénitales que l'on va étudier aujourd'hui? Donc, il faut savoir que ça, c'est une classification très, très simplifiée. On a classé les cardiopathies congénitales en deux parties. Cardiopathies congénitales non cyanogènes, donc comme leur nom l'indique, elles ne provoquent pas de cyanose. Voilà. Et elles-mêmes se divisent en shunt gauche-droit. Et on va définir qu'est-ce qu'un shunt gauche-droit. Donc, on va parler essentiellement des communications inter-auriculaires, des communications inter-ventriculaires et de la persistance du canal artériel. Alors, si je vais très vite, dites-moi. Non, ça va. Très, très bien. Il faut m'interrompre à chaque fois si vous ne comprenez pas quelque chose. Très bien. Donc, chaîne gauche-droit, communication interauriculaire, communication interventriculaire, persistance du canal artériel. Toujours dans les cardiopathies non cyanogènes, nous avons ce qu'on appelle les obstacles à l'éjection. Que ce soit obstacle à l'éjection du ventricule, donc droit,
ou obstacle à l'éjection du ventricule gauche. On parlera essentiellement de la coarctation de l'aorte. Donc, rapidement, on va parler de la sténose pulmonaire. Voilà. Aortique, c'est une sténose valvulaire congénitale. C'est l'une, c'est une variante de la sténose aortique. Alors, deux, les cardiopathies congénitales cyanogènes, ça veut dire que la malformation s'accompagne de la cyanose. En général, ce sont des cardiopathies congénitales très complexes. On ne va pas toutes les étudier, donc on va juste étudier la tétralogie de Fallot. Voilà. Et on commencera à définir un shunt. Donc, qu'est-ce qu'un shunt? Gauche-droit. C'est le passage du sang artériel d'une cavité gauche, comme son nom l'indique, vers une cavité droite. Donc, il faut savoir que ce passage se fait essentiellement en suivant un gradient de pression. Ça veut dire que le shunt va se faire de la cavité de plus grande pression vers la cavité de basse pression. Donc, tout en sachant que les cavités gauches, ce sont des cavités à grande pression par rapport aux cavités droites, donc logiquement, le shunt se fera de gauche à droite. D'accord? Voilà. Donc, quels sont, pourquoi on s'intéresse à définir, pourquoi on définit le shunt gauche-droit? Ben, tout simplement, c'est par rapport aux conséquences physiopathologiques, c'est les conséquences majeures. Donc, la conséquence hémodynamique et physiopathologique principale, donc, c'est l'hypertension artérielle pulmonaire. Alors, le passage d'un volume sanguin important d'une cavité gauche vers une cavité droite, voilà, donc j'ai essayé de faire un cheminement, enfin une suite d'événements, il va provoquer un hyperdébit pulmonaire. Donc, toute augmentation du débit pulmonaire, elle va entraîner une hypertension artérielle pulmonaire initiale qu'on appelle une hypertension de débit. Voilà. Donc, cette hypertension artérielle pulmonaire de débit, à la longue, donc elle va léser le lit pulmonaire. Donc, elle va atteindre les parois artérielles pulmonaires pour donner ce qu'on appelle une artériolite pulmonaire. C'est une inflammation qui va se faire au niveau des artères, de l'artère pulmonaire et ses branches. Cette atteinte pulmonaire, voilà, comme on a dit, c'est une atteinte de la paroi artérielle, allant vers l'hypertrophie et la sclérose. Donc, c'est ce qui va être irréversible. Voilà. Une fois devenu irréversible, on parlera d'une hypertension artérielle pulmonaire fixée, définitive ou alors irréversible. Voilà. C'est ce qu'on appelle donc le syndrome, retenez, infundibulo-pulmonaire de Graham-Steen. Je répète, syndrome infundibulo-pulmonaire de Graham-Steen. Voilà. Retenez ça. Donc, la hantise, finalement, de ce shunt gauche-droite, gauche-droite essentiellement, c'est l'hypertension artérielle pulmonaire fixée, définitive ou irréversible, aux conséquences hémodynamiques majeures, d'où la cyanose, la dyspnée et tout le tableau clinique d'une cardiopathie congénitale compliquée. Voilà. Voilà, on poursuit et on va commencer à étudier la première cardiopathie congénitale, donc non cyanogène à shunt gauche-droit, qui est la communication interventriculaire. Donc, comme son nom l'indique, tout simplement, c'est une cardiopathie congénitale qui est due à un défect septal atrial. Donc, c'est une déhiscence au niveau, donc c'est une rupture de continuité, déhiscence de la cloison interventriculaire qui va mettre en communication les deux cavités. Donc, comme on avait dit, le sang va passer du ventricule gauche vers le ventricule droit. Ce dernier va donc recevoir une quantité plus importante du sang
il va, donc cette surcharge de volume va aller à sa dilatation. Et logiquement, lorsqu'il y a une augmentation du volume présystolique, donc il va y avoir une augmentation de l'éjection, on va éjecter un volume plus important du sang au niveau de l'artère pulmonaire, d'où l'hypertension artérielle pulmonaire à la fin. Sera le même. Là, donc, on vous explique par un schéma la communication interventriculaire. Vos connaissances en anatomie sont toujours fraîches. Donc, il faut savoir que le septum interventriculaire est constitué de deux parties, le septum musculaire et le septum membrane. Donc, à partir de là, qu'on va voir les différents types de la communication interventriculaire. Donc, vous n'êtes pas censé connaître les localisations qui sont infundibulaires, périmembraneuses, trabéculaires, septum d'admission. Ça, on n'est pas censé les connaître. Il faut juste savoir que la communication peut se faire au niveau du septum musculaire, au niveau du septum membraneux. Membraneux, c'est juste au-dessous de l'insertion des valves aortiques et pulmonaires. Ça, c'est le membraneux. Le septum musculaire, c'est en bas. Donc, c'est entre la pointe et au milieu. D'accord ? Retenez ça. Donc, ça, c'est très, très important. La communication interventriculaire, donc, on distingue quatre types. Question d'examen. Donc, attention. Il y a quatre principaux types. On va définir. On commence par le type 1. C'est la communication interventriculaire, ce qu'on appelle le faible débit, la maladie de Roger ou la petite CIV. Donc, c'est la plus fréquente et donc, c'est la plus bénigne. Heureusement, c'est la plus fréquente. Donc, c'est 40%. Elle constitue 40% des communications interventriculaires. Voilà. À l'auscultation, nous avons un souffle. Auscultation, c'est à apprendre par cœur. Voilà. Souffle holosystolique intense, 3 à 5 sixièmes, souvent frémissant. Il faut savoir que la communication interventriculaire est audible et palpable. Voilà, nous avons un frémissement caractéristique, systolique, rude, mésocardiaque, maximal à la partie basse du bord gauche du sternum, irradiant sur tout le précordium en rayon de roue. Alors, c'est une petite CIV, un bas débit, donc le deuxième bruit du cœur, B2, foyer pulmonaire est normal. Pas d'HTAP, donc pas d'hypertension artérielle pulmonaire. C'est une CIV qui n'est pas découverte d'emblée à la naissance. On prend du temps à la découvrir, parfois même à la naissance. Donc, l'électrocardiogramme. Donc, pourquoi on s'intéresse essentiellement au deuxième bruit du cœur pour détecter l'hypertension artérielle pulmonaire? Eh bien, tout simplement parce que le deuxième bruit cardiaque, c'est entre parenthèses, il est très bien audible au niveau des basses, mieux qu'au niveau des pointes. D'accord? Donc, c'est surtout par rapport à ça. Le CG est peut-être tout à fait normal. Et les thorax, normal. En matière de cardiopathie congénitale, l'examen de référence reste l'échocardiographie transthoracique. L'échographie va effectivement visualiser le shunt gauche-droit, le défect septal. On va pouvoir même le quantifier, voilà, et mesurer d'une manière non-invasive les pressions artérielles pulmonaires. Alors, il faut savoir qu'avant, on faisait le cathétérisme cardiaque qui a actuellement plus de place, vu l'avènement de l'échocardiographie. En matière de cardiopathie congénitale, retenez que les examens clés, ce sont l'échocardiographie transthoracique, de 1. Deuxièmement, l'IRM cardiaque, surtout lorsqu'on veut opérer. Donc, ça donne plus de précision et plus d'informations. Voilà. Alors, l'évolution de la maladie de Roger, donc, elle est bien tolérée, elle est bénigne. La fermeture spontanée est possible. Cependant, bien sûr, toute comme toute cardiopathie, donc elle n'est pas dénuée de complications. La première complication que vous connaissez très bien, l'endocardite infectieuse, même si elle est estimée à 2% de la population, mais elle est possible. Deuxième syndrome, retenez très bien ça, c'est le syndrome de l'opripésie.
c'est une communication interventriculaire de type 1. Type 1, pardon, communication interventriculaire de type 1 associée à une insuffisance aortique. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette insuffisance aortique? C'est un phénomène physique. C'est par aspiration du cusp, retenez l'effet Venturi. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il faut savoir que la valve aortique, donc présente la valve sigmoïde aortique, elle va donc en systole, elle va être aspirée lors du passage du shunt. Donc, quand il y a un fort débit de gauche, un volume de gauche à droite, il va y avoir comme une aspiration de la valve par effet Venturi. Elle va comme si elle va être aspirée par augmentation du volume. Il y a un gros volume qui va passer des cavités gauche vers droite en prenant avec lui la valve sigmoïde aortique. C'est très difficile à expliquer, mais retenez à votre niveau, syndrome de l'auriculopathie, c'est la communication. Si c'était en présentiel, je vous aurais schématisé. Bon. L'auriculopathie égale communication interventriculaire type 1 avec une insuffisance aortique. Il faut savoir une chose. Quand nous avons ce syndrome-là, en ce moment-là, c'est une indication à opérer. Il faut absolument fermer le shunt, fermer le défect, pardon. Il faut fermer le défect septal parce que l'insuffisance aortique, elle risque de s'aggraver. Voilà. Le traitement, évidemment, ça va être juste la prophylaxie de l'endocardite infectieuse et la surveillance clinique. Vous surveillez régulièrement votre patient. C'est tout. Le type 2, nous avons ce qu'on appelle la CIV à fort débit. Donc, c'est la plus redoutable. Heureusement, diagnosticable rapidement. Dès les premiers jours de la naissance, vous avez déjà un bébé qui ne va pas bien. Donc, il refuse. Donc, refuse de téter. C'est un enfant qui est très dyspnéique. Il est tachycarde. Il a une hépatomégalie. Il a une cardiomégalie avec un indice cardiothoracique important. Il a un retard de croissance staturopondérale, donc hypotrophie du nourrisson, c'est le principal signe. Voilà, encore cassure de la cour staturopondérale que vous allez faire en pédiatrie l'année prochaine, Inch'Allah. Voilà, donc c'est souvent le motif le plus fréquent de consultation. Il peut y avoir aussi d'autres signes, donc comme je vous ai dit, sueur, pâleur, déformation thoracique, etc. Voilà, l'auscultation cardiaque. Il va y avoir un souffle avec les mêmes caractéristiques du souffle précédent, mais attention, ici, à fort débit, donc il y aura une hypertension artérielle pulmonaire, cet HTAP va se caractériser avec un éclat du deuxième bruit cardiaque, évidemment. Parfois, on peut avoir aussi un clic protosystémique d'éjection dans les formes les plus graves, un souffle diastolique de fuite pulmonaire par dilatation de l'anneau. Donc, parce que vous allez avoir donc, un volume très important qui va passer des cavités droites vers l'artère pulmonaire. Et donc, à un certain moment, il y aura un souffle d'éjection. Voilà, par hyperdébit. Le CG, on va avoir une hypertrophie biventriculaire. C'est logique. Alors, là, il faut savoir une chose, tout retentissement sur les cavités droites en matière de cardiopathie congénitale va se retentir à la longue sur les cavités gauches. Donc, si la cardiopathie est très importante, on va avoir une dilatation des deux cœurs, si vous voulez, le cœur droit et le cœur gauche. Voilà. C'est les thorax, il va y avoir une dilatation du ventricule droit et du VG, donnant une cardiomégalie parfois importante. On ne fait que répéter. La circulation pulmonaire est augmentée, associée à une dilatation de l'artère pulmonaire. C'est logique. Alors, l'évolution, elle est plus grave vers l'insuffisance cardiaque globale, l'endocardite infectieuse et l'hypertension artérielle pulmonaire fixée. Voilà. Là, évidemment, l'échocardiographie restera l'examen de référence. Le cathétérisme n'a pas de place devant l'échocardiographie. Le traitement, il va être médical en évitant l'insuffisance cardiaque et attention à la prophylaxie d'endocardite infectieuse. Il sera chirurgical, palliatif. On va faire ce qu'on appelle
un cerclage de l'artère pulmonaire ou le bonding de l'artère pulmonaire, c'est pour éviter à la longue la dilatation très importante du tronc de l'artère pulmonaire et l'hyperdébit avec une hypertension artérielle fixée. Ce n'est qu'un traitement palliatif qui permet de passer un cap en attendant la chirurgie curative, qui est la fermeture de la communication interventriculaire par un patch en Dacron. Le Dacron, c'est un tissu. Voilà. Et tout ça, bien sûr, il va se faire en collaboration avec l'équipe de la réanimation pédiatrique. Voilà. Alors, si on veut se compliquer l'existence, il faut savoir qu'il y a deux types de CIV de type 2. Nous avons la 2A, qu'on appelle la restrictive. Si jamais on vous pose cette question, 2A, c'est la CIV restrictive, et 2B, c'est la CIV à gros débit, proprement dite. Mais non, il ne faut pas retenir tout ça. À l'examen. Alors, on passe maintenant à la CIV type 3. C'est la plus grave. C'est le syndrome d'Eisenmenger. C'est l'inversion du shunt. À ce moment-là, et là, si vous comprenez bien, c'est une évolution possible de la CIV de type 2. Elle peut aller vers le type 3. Elle n'est pas traitée. L'inversion du shunt, comment se fait? Alors, comme je vous ai dit, le passage, il va vers la cavité de haute pression, vers la cavité de basse pression. Là, les pressions deviendront très, 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 très importantes au niveau des cavités de droite à la longue. Donc, passage gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Ensuite, c'est les cavités de droite qui vont être les cavités de haute pression. Il va y avoir une inversion du shunt, un passage des cavités droites vers les cavités gauches. Donc, il y a aussi association à une destruction définitive des poumons par artériolite pulmonaire, ce que je disais tout à l'heure. Donc, cliniquement, il va y avoir une augmentation significative des pressions du ventricule droit qui tendent à atteindre des pressions VG. Ensuite, ils vont les dépasser. Voilà. Et donc, l'inversion du shunt, en ce moment-là, on obtiendra de la cyanose. Pourquoi la cyanose? Parce que le sang au niveau du cœur droit, c'est du sang désoxygéné, bien sûr, qui va passer vers les cavités gauches. Donc, au total, vous allez avoir du sang pas tout à fait désoxygéné, mais il ressemble un peu au sang veineux mêlé. Donc, quel que soit, il sera appauvri en oxygène et là, vous allez avoir un enfant bleu cyanosé. L'auscultation, vous allez avoir le souffle systolique diminué, alors que le B2 pulmonaire, il sera augmenté. Bon, si, alors, pour les valvulopathies, plus la valvulopathie est importante, plus le souffle est très important. En matière de cardiopathie congénitale, en général, mais pas toujours, plus la cardiopathie congénitale est importante, moins le souffle est important, mais pas toujours. D'accord ? L'ECG, il y aura bien sûr une hypertrophie en général biventriculaire, mais à prédominance droite, importante. ETT qui va mettre en évidence l'inversion du shunt avec une hypertrophie ventriculaire droite et l'hypertension artérielle pulmonaire. Alors, l'évolution, elle va inéluctablement vers le décès. Donc, s'il y a un message que je veux transmettre, c'est qu'il ne faut jamais négliger une communication interventriculaire de type 2. Il faut absolument la traiter. Alors, si on arrive au stade d'Eisenmenger, c'est l'HTAP fixé, irréversible, c'est bon, on ne peut rien faire. Seul traitement, c'est la transplantation cardio-pulmonaire. Alors, on passe au type 4, c'est ce qu'on appelle la CIV. Oui, bien sûr. S'il vous plaît, c'est quoi le mécanisme endocardite infectieuse, le type 2? Le type 2, c'est la même chose, c'est comme le type 1. C'est une cardiopathie congénitale, sauf que la CIV de type 2, elle est à très haut risque. Allô? Vous entendez? Oui, oui. Oui, c'est le même mécanisme. D'accord. Voilà, c'est le même, sauf que le type 2, elle est plus à risque, vu les complications possibles. Regardez. Ça veut dire que si une endocardite infectieuse se greffe, ça ne pardonne pas. D'accord?
Alors, est-ce que vous me suivez jusque-là? Est-ce que vous avez compris? Oui, ça va oui. Pour la communication interventriculaire? Oui. Parfait. Type 4, nous avons une association de la sténose pulmonaire avec, alors je me suis trompée, avec, oui, sténose pulmonaire avec CIV. Et c'est ce qu'on appelle la CIV protégée. Alors, si vous vous rappelez, tout à l'heure, on a proposé un cerclage de l'artère pulmonaire. D'accord. C'est pour essayer de réduire un petit peu son calibre. Là, c'est physiologique. D'accord. Donc, c'est ce qu'on appelle une CIV protégée. C'est un stade à part. Ce n'est pas une évolution d'un stade 3 ou d'un stade 2. C'est un patient, c'est un enfant qui naît avec donc, une communication interventriculaire associée à un rétrécissement pulmonaire. C'est un enfant qui n'aura jamais d'HTAP. Heureusement pour lui. D'accord. Elle est de très, très bons pronostics. Pour l'examen, je ne pense pas qu'on va vous donner ça, mais il faut la connaître. D'accord. Quand il n'aura pas une insuffisance cardiaque droite à la langue. Pardon? Il n'aura pas une insuffisance cardiaque droite avec le temps. Je dis global. Pardon, pour le type 4. Oui. Non. Ce qu'on appelle la communication interventriculaire à poumon protégé. Elle est de très bons pronostics. C'est la seule qu'on peut juste surveiller sans opérer. D'accord? Voilà. Donc, je passe à la deuxième cardiopathie congénitale. Je ne sais pas si j'ai des planches. Je vais vous montrer la fermeture. Allez. La communication interauriculaire. Donc, la communication interauriculaire, c'est aussi un défect au niveau du septum interauriculaire qui va mettre en communication, au contact, ces deux cavités, l'oreillette gauche et l'oreillette droite. Il existe alors, donc, bien sûr, comme l'oreillette gauche, c'est la cavité à plus haute pression, donc le shunt va passer de l'oreillette gauche vers l'oreillette droite, ensuite le ventricule droit, retenez bien ce circuit, ensuite l'artère pulmonaire, ensuite même chose. C'est pour ça que vous allez avoir les complications qu'on va citer après. Alors, je disais, c'est une communication entre l'OG et l'OD. Il existe dans l'OG une pression plus élevée, donc le sang va passer de l'OG vers l'OD, puis vers le VD à travers la valve tricuspide. Il y aura donc une augmentation du remplissage du ventricule droit par surcharge diastolique, un roulement tricuspidien diastolique par augmentation du flux transtricuspidien. Donc, j'aurais voulu vous faire la circulation fœtale pour mieux comprendre la communication interauriculaire. Mais ainsi, j'aurais voulu vous faire la septation. Comment la septation se fait? Donc, je vais essayer de l'expliquer brièvement. Il faut savoir que durant la vie fœtale, concentrez-vous bien, s'il vous plaît. Donc, nous avons ce qu'on appelle le septum primum. Donc, c'est le premier septum qui va s'étendre, bien sûr. Donc, c'est le premier qui va être mis en place. Avec ensuite, il va avoir un trou. C'est ce qu'on appelle l'ostium primum. Parce qu'après, on va vous poser des questions sur les types de la communication interauriculaire. Vous allez trouver septum primum, type ostium primum, type ostium secondum, comme ça pour que vous ayez une idée. Donc, septum primum, vous avez le premier trou qu'on appelle l'ostium primum. Alors, il est vers le bas. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer. Non. C'est pas. Ensuite, il y aura l'ostium secondum. C'est toujours un deuxième trou sur le septum primum. Ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle le septum secondum. Alors, la fusion du septum primum et le septum secondum va nous donner le septum interatrial définitif. Voilà. Et parfois, il peut y avoir un défect septal. Ça veut dire
que les deux septembres ne se fusionnent pas du tout. Voilà. Donc, à l'auscultation, qu'est-ce qu'on va trouver? Logiquement, il y aura ce qu'on appelle la triade auscultatoire de la CIA. Donc, logiquement, vu qu'il y aura une surcharge diastolique du ventricule droit avec un excès de volume qui va être éjecté vers l'artère pulmonaire, donc logiquement, le souffle va être essentiellement au niveau du foyer pulmonaire. D'accord? Un souffle systolique au foyer pulmonaire lié à cet hyperdébit. Il va y avoir aussi un dédoublement du deuxième bruit pulmonaire. Pourquoi ce dédoublement retardé au foyer pulmonaire? Parce qu'il y a un allongement du temps d'éjection. Notez ça. Dédoublement de B2. Pourquoi? Parce qu'il y a un allongement du temps d'éjection. C'est logique parce que vous avez plus de volume. Voilà, éjection systolique, par augmentation du remplissage ventriculaire droit. Donc, ensemble, vous allez avoir la triade auscultatoire de la communication interatriale, typique, un souffle systolique au foyer pulmonaire, un dédoublement du deuxième bruit cardiaque pulmonaire et un roulement diastolique au niveau de la valve tricuspide. C'est logique, parce que le sang va passer de l'OG vers l'OD, ensuite le VD via la valve tricuspide. Voilà. Le CG, vous allez avoir un bloc de branche droit incomplet, mais qui peut être aussi complet. Pourquoi? Parce qu'il y a une surcharge diastolique du ventricule droit. Ça va ou je répète? Non, ça va. Très bien. Voilà. Téléthorax fait, il va y avoir une dilatation de l'artère pulmonaire. C'est logique, ce qu'on venait d'expliquer. Convexité de l'arc moyen. Dilatation du ventricule droit avec pointe sur diaphragmatique. Hypervascularisation pulmonaire. Bien sûr, l'examen clé, c'est l'échodoppler cardiaque qui va visualiser le défect septal atrial. Le cathétérisme cardiaque ne se fait plus, mais s'il se fait, et on vous a expliqué cela, il va y avoir un trajet anormal de la sonde. Ça veut dire que la sonde qui va être introduite par la veine fémorale, qui doit passer dans les cavités gauches, à travers la communication interatriale. Ça veut dire qu'il y aura un trajet anormal de sonde. Au lieu de passer de la voie fémorale vers l'oreillette droite, ensuite directement vers le ventricule droit, elle va aller par voie transseptale vers l'oreillette gauche. Et c'est comme ça qu'on pose le diagnostic, mais on ne l'utilise plus. L'évolution, l'insuffisance cardiaque, si gros débit, surtout chez le nourrisson. L'endocardite infectieuse, elle est plus rare dans la communication que dans la communication interventriculaire. Bon, en matière de communication interatriale, la communication, elle est gentille par rapport à la communication interventriculaire parce que les oreillettes sont des cavités à la base, à basse pression. Donc, si vous avez une insuffisance cardiaque, ça veut dire que vraiment, c'est très, 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 très important. Alors, là, un peu pour expliquer la communication interatriale. Alors, ce que vous voyez à droite, c'est une communication interatriale de type ostium secondum. Alors, ostium secondum, c'est le type de description. Vous avez, vous voyez un petit peu, vous voyez le défect septal, où est-ce qu'il est situé? Un peu en bas. C'est ça, le type ostium secondum. S'il est situé en haut, un peu plus haut, c'est l'ostium prima. Le troisième type, c'est le sinus venosus que vous ne voyez pas ici. Vous voyez sur une courbe. Costale sur l'échocardiographie, c'est un peu plus compliqué. On ne va pas vous embrouiller avec ça. Voilà. Atrial septal defect. Vous pouvez lire ce qu'il y a ici, très important. Par rapport à l'incidence, par rapport à tout ce qu'il y a. Bon, je vous laisse lire ça. Voilà, maintenant, par rapport au traitement. Donc, c'est logique qu'on doit fermer cette communication. Alors, le traitement, il peut être par voie
chirurgicale à gros débit, si la CIA est très, 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 très importante, ou s'il y a vraiment un retentissement très important sur la qualité de vie, et si on est en tarde à diagnostiquer la communication interatriale et qu'on doit absolument opérer pour corriger d'autres valvulopathies associées, par exemple, d'accord ? Et si la taille de la communication interatriale ne permet pas l'utilisation du matériel de fermeture, du device. Voilà. Donc, mais idéalement, la communication interatriale doit être fermée par voie interventionnelle. C'est ce que vous voyez ici. Donc, soit par un patch en Dacron, tissu synthétique. Pardon, le patch, c'est la voie chirurgicale. Soit vous fermez idéalement par voie interventionnelle percutanée, par ce qu'on appelle l'ombrelle. Voilà. Ce que vous voyez ici, c'est l'ombrelle. C'est ce qu'on appelle l'ombrelle. Ça ressemble un petit peu à un parapluie qu'on introduit et qui va fermer ce défect septal. Voilà. Ou encore, il y a aussi un autre matériel qu'on appelle la sonde Emplazer. Bon, Emplazer atrial occluder. C'est pas très... Bon, c'est très spécialisé. Alors, j'ai tardé avec la communication interventriculaire et la communication interatriale parce que, en général, on vous pose beaucoup de questions sur ça. Même quand on vous donne un cas clinique, c'est soit une CIV ou une CIA. C'est rare où on vous donne les autres cardiopathies qu'on va faire tout à l'heure. Mais on peut aussi vous poser des questions sur la tétralogie de Fallot, vu que le professeur Onibouche adore la tétralogie de Fallot. Voilà. Alors, troisième cardiopathie congénitale avec shunt gauche-droit, c'est la persistance canale artérielle qu'il faut connaître aussi. Alors, si on veut définir un canal artériel, donc tout simplement, c'est une structure physiologique à l'état fœtal qui permet le passage du sang de l'artère pulmonaire vers l'aorte. Voilà, c'est un shunt physiologique. Donc, il faut savoir qu'un nourrisson possède trois principaux shunts essentiels à sa vie. Il faut pas le nourrisson, le fœtus. Le fœtus ne respire pas via ses poumons. Les poumons, les résistances pulmonaires sont très, 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 très élevées avant la naissance. Il ne les utilise pas du tout. Donc, le sang qui va vers l'artère pulmonaire durant la vie fœtale, il va aller directement vers l'aorte via ce shunt qu'on appelle le canal artériel. C'est un shunt physiologique. Dès la naissance, les résistances pulmonaires vont chuter. Voilà. Donc, le nourrisson ou le nouveau-né, il va utiliser ses poumons. Le canal artériel doit absolument se fermer. Alors, si le canal artériel ne se ferme pas au-delà de 40 jours, on parlera alors d'une persistance du canal artériel. Et là, évidemment, comme les pressions seront plus importantes au niveau de l'aorte, le passage du sang ne se fera plus comme durant la vie fœtale, il se fera de l'aorte vers l'artère pulmonaire. D'accord ? Est-ce que vous avez compris ? Je répète. Très bien comprendre le canal artériel. Oui, ça va. Parfait. Voilà. Et donc, à l'auscultation, oui. Vous pouvez me répéter la persistance du canal artériel, j'ai pas bien... Bien sûr, on répète. Donc, il faut savoir que le canal artériel, c'est une structure physiologique normale. Alors, qui existe chez le fœtus, qui permet de communiquer l'artère pulmonaire et l'aorte. Ça, c'est avant la naissance. Le passage du sang se fera de l'artère pulmonaire jusqu'à l'aorte via le canal artériel. Parce que physiologiquement, le fœtus n'utilise pas ses poumons. Les résistances pulmonaires sont très, très élevées. Alors, dès la naissance, les résistances pulmonaires vont chuter, voilà, parce que le nouveau-né va utiliser ses poumons et là, le canal artériel va donc se fermer, il doit se fermer,
D'accord? Parce qu'il ne va plus être sollicité. Et s'il ne se ferme pas au-delà de 40 jours postpartum, on parlera d'une persistance du canal artériel. Et là, il va y avoir un shunt gauche-droit. De là-haut, il va y avoir une inversion. Donc, durant la vie fœtale, il y aura l'artère pulmonaire vers l'aorte via le canal artériel. Après la naissance, si persistance du canal artériel, vous allez avoir un passage du sang de l'aorte vers l'artère pulmonaire via le canal artériel. D'accord? Est-ce que c'est clair maintenant? Oui, merci beaucoup. Je vous en prie. En présentiel, ça aurait été plus simple. C'est pas grave. Alors, à l'auscultation, vous allez ausculter un souffle continu, systolo-diastolique, c'est logique. Il y a du sang qui va, quand c'est d'une manière continue, de l'aorte vers l'artère pulmonaire, de l'aorte vers l'artère pulmonaire, donc c'est logique. Le timbre, donc il est tunnelaire, localisé en sous-claviculaire, très caractéristique, commençant après le premier bruit, augmentant graduellement d'intensité. Alors ça, c'est du parkourisme. Hein. Vous allez l'apprendre par cœur. Alors, région sous-claviculaire gauche, les artères périphériques peuvent être hyper pulsatiles. Donc, tout ça, vous l'apprenez par cœur. ECG, il peut être normal ou encore, il va montrer des signes de surcharge diastolique du ventricule gauche. C'est logique. D'accord? Vous avez du sang qui va. C'est exactement le même mécanisme que tout à l'heure. Un excès de sang qui va. Donc, vous avez passage de l'aorte, canal artériel, artère pulmonaire, et l'artère pulmonaire, le ventricule droit. Donc, vous avez une surcharge des cavités droites, à la longue, surcharge des cavités gauche. Mais le retentissement, il est plus important sur les cavités gauche. D'accord? Il ne faut pas demander pourquoi, parce que c'est très, très compliqué d'expliquer. D'accord? Retenez juste que vous avez une HVG à type de surcharge diastolique. C'est tout. Par surcharge de volume. Est-ce que c'est clair? Voilà. Oui. Et les thorax. Il y a une légère dilatation du corps gauche et de l'aorte ascendante. Ben, c'est normal. Voilà. Et avec une hypervascularisation pulmonaire modérée. L'échocardiographie. Je ne sais pas comment. Alors, la vidéo est annulée, non? Est-ce que vous arrivez à voir l'écran? Oui, on arrive à voir l'écran. Très bien, je ne sais pas ce que j'ai eu. Allez. D'accord. Donc, OK. Alors, écho, bien sûr, l'examen de référence, c'est toujours l'échocardiographie. Par contre, on ne vous entend pas très bien. On vous entend de loin. Peut-être que c'est un problème de connexion. Et maintenant? Oui, ça va maintenant. Ça va? Oui, là, c'est très bien. Parfait, on continue alors. Donc, téléthorax qui doit montrer une légère dilatation du corps gauche, l'aorte ascendante. L'examen de référence reste l'échocardiographie qui va visualiser le shunt entre le passage de l'aorte vers l'artère pulmonaire. Un shunt gauche-droit. Visualisation du canal artériel et du flux pathologique, et l'écho, l'examen de référence. Et si on veut opérer, il faut passer à l'IRM cardiaque. Pour donner plus de mesures, la mesure et la localisation exacte du canal artériel, la mesure du tronc de l'artère pulmonaire et ses branches, de l'aorte, c'est très, très important. Donc, l'évolution du canal artériel, elle peut aller vers le syndrome d'Eisenmenger, vers l'inversion du shunt. Alors, et qu'il y a une augmentation très importante de surcharge au niveau des cavités, c'est la même chose. Droite, il va y avoir une inversion du shunt avec Eisenmenger possible. Donc, c'est un mécanisme très, très complexe qu'on ne pourra pas vous expliquer. C'est très spécialisé. Allez, retenez Eisenmenger possible. Il faut savoir que si on vous demande, si jamais on vous demande quelle est la cardiopathie congénitale le plus à risque de cardiopathie infectieuse, on ne vous entend pas. Maintenant, ça va?
Non. De loin. Je ne sais pas. Et maintenant? Oui. Ça va? Oui, on vous entend. Très bien, donc on continue. Voilà, donc les complications, essentiellement, c'est l'endocardite infectieuse. C'est la cardiopathie congénitale la plus à risque de développer une endocardite infectieuse. Voilà. Donc, s'il y a un message clé à retenir, c'est que tout canal artériel doit être fermé, idéalement avant l'âge de 2 ans. Tout canal artériel doit être fermé. Voilà. Eisenmenger, syndrome d'Eisenmenger, est aussi possible. Donc, comment vous fermez le canal artériel? Bon, Haulik, le canal artériel, on essaie de vous le montrer. Donc, si vous voyez bien, c'est la communication, c'est le petit passage, donc c'est le pont entre l'aorte et l'artère pulmonaire qui vient juste après l'artère sous-clavière. Vous voyez bien l'artère sous-clavière. Là, c'est la crosse aortique avec l'aorte thoracique. Donc, vous avez la descendante. Au début, juste avant, vous avez le canal artériel. Voilà. Alors, comment le fermer? Donc, vous avez deux méthodes. Soit la méthode chirurgicale, ce qu'on appelle la ligature section ou la mise en place d'un clip. Donc, ça veut dire qu'on va enlever carrément le canal artériel, on l'enlève et on suture, comme s'il n'existait pas. Voilà. Sinon, on peut faire, solliciter la cardiologie interventionnelle par la mise en place du membrane. On entend pas mal. Allô? Est-ce que vous m'entendez? On ne vous entend pas bien, madame. Très bien. Donc, on le ferme par ce qu'on appelle un coil ou un clip. C'est comme un stent, si vous voulez. Ça ressemble à un stent, mais ce n'est pas ça. C'est un dispositif pour fermer complètement le canal artériel. Voilà. Donc, on a fini avec les cardiopathies congénitales avec shunt gauche droit. On passe aux obstacles à l'éjection. On va étudier essentiellement la coarctation de l'aorte, qui est la plus importante. La coarctation de l'aorte, donc qu'est-ce qu'une coarctation de l'aorte? C'est une sténose. Voilà. Donc, la coarctation de l'aorte, c'est une sténose que vous voyez bien. Donc, au niveau de l'isthme de style de l'aorte. Voilà ce qu'on appelle l'isthme de style de l'aorte. Voilà. C'est juste en aval de la naissance de l'artère sous-clavière. Voilà la sous-clavière. Voilà l'isthme de style. Voilà. C'est un obstacle à l'éjection. C'est logique. Voilà. L'isthme de style de l'aorte qui va entraîner une augmentation de pression au niveau de l'aorte ascendante. C'est normal. Donc, en amont, vous allez avoir une pression très élevée. Pourquoi? Parce que le débit, donc le volume d'éjection systolique, là, c'est l'équivalent, la coarctation, c'est l'équivalent d'une post-charge du ventricule gauche qui est très élevée, donc qu'on doit vaincre. Et donc, c'est clair qu'en amont, vous allez avoir des pressions très élevées. En aval, les pressions seront basses. D'accord? Est-ce que c'est clair? Je reprends. Oui. Très bien. Au niveau de l'aorte descendante, c'est ce qui va créer ce qu'on appelle un gradient de pression. Un gradient de pression transaortique. D'accord? Entre l'aorte thoracique, entre l'aorte ascendante et descendante. La coarctation, donc, c'est une cardiopathie congénitale qui représente 6 à 8% de l'ensemble des cardiopathies, ce qui n'est pas négligeable. Donc, le sujet sera hypertendu au niveau de ses bras, les membres supérieurs, et sera hypotendu au niveau des membres inférieurs. C'est le fameux colosse au pied d'argile. Donc, les poux seront très importants, très amples
au niveau des membres supérieurs et ils seront faiblement perçus, voire abolis au niveau des membres inférieurs, essentiellement les bouts fémoraux. Donc, message clé pour vous, palpez les bouts fémoraux. Tout nouveau-né, chez tout nourrisson, vous serez en pédiatrie, systématiquement palpez les bouts fémoraux. Est-ce que c'est clair? Oui. Voilà. Donc, sujet de bout. Il va y avoir, donc, à l'auscultation, vous allez avoir logiquement un souffle systolique ou encore continu, interscapulo-vertébral ou gauche, irradiant vers l'avant-bras les creux sous et susclaviculaire gauche. Il peut exister aussi un souffle systolique au niveau du foyer aortique. Donc, le CG, logiquement, il va y avoir de l'hypertrophie ventriculaire gauche, je vous ai dit, donc augmentation de pression, donc hypertrophie ventriculaire gauche, c'est une conséquence logique, d'accord, lorsque la coarctation est importante. Alors, les anomalies que vous devez connaître, c'est les anomalies sur le téléthorax de face. On peut facilement vous donner un téléthorax de face. Vous qui avez fait le module de radiologie en troisième année, donc vous vous rappelez sûrement des fameuses encoches costales. Alors, les encoches costales, c'est ce qu'on appelle aussi la lyse costale. Donc voilà, vous voyez clairement les flèches sur la radiographie thoracique. C'est dû tout simplement à une dilatation des artères intervertébrales. C'est pour essayer de compenser un petit peu la baisse, c'est comme des collatérales, c'est pour essayer un petit peu de compenser le petit calibre de l'aorte qui viendra juste après la coarctation de l'aorte. D'accord ? C'est pour favoriser la perfusion. C'est un moyen de compensation. La dilatation de ces artères vertébrales va se représenter sur la radiographie thoracique par ce qu'on appelle une lyse costale. Voilà. Est-ce que vous vous rappelez de ce signe? Non. Non. On ne l'a pas fait. Ah, vous n'avez pas fait le module de radio? Si, mais, si c'était, mais pas... c'était pendant le confinement, du coup. D'accord. Le résumé est deux, mais on est parti avec ça. Voilà ce qu'on a fait. D'accord, c'est dommage. Donc, est-ce que maintenant vous avez compris le signe de la lyse costale, les encoches costales? Oui. Voilà. Et il faut savoir que ce signe ne se retrouve pas uniquement dans la coarctation de l'aorte. Il se retrouve dans d'autres pathologies, mais en matière de cardiopathie congénitale, retenez que encoche costale égale très probablement coarctation de l'aorte. Voilà. Donc, vous avez aussi un élargissement du pédicule vasculaire. Nous avons ce qu'on appelle une aorte en cheminée. C'est ce qu'on appelle l'aspect en double bosse aortique. Dommage, je n'ai pas d'image, mais vous avez comme si l'arc, le bouton aortique est dédoublé. D'accord, c'est le reflet de l'aorte juste avant la coarctation et l'autre juste après la coarctation, le bouton aortique. D'accord. Vous avez une hypertrophie ventriculaire gauche, donc pointe gauche convexe plongeante vers le diaphragme. D'accord. Elle est sous-diaphragmatique parce que c'est, même s'il y a une cardiomégalie et il n'y a pas de cardiomégalie, même si elle se voit, elle se verra au dépens des cavités gauches, non pas au dépens des cavités droites. D'accord ? L'échodoppler reste incontestablement l'examen de choix pour détecter une coarctation de l'aorte. Le cathétérisme n'est plus indiqué. L'aortographie, elle a perdu beaucoup de son intérêt. Le scanner et l'IRM cardiaque, ce sont les examens clés, idéalement lors d'un bilan préopératoire. Alors, le traitement, c'est une coarctation, c'est un obstacle à l'éjection. Donc, logiquement, on doit lever cet obstacle. Comment peut-on le lever? Donc, il faut le lever, on peut le lever par deux manières. Donc, soit l'angioplastie transluminale percutanée ou ballonnée, voilà. C'est ce qu'on vous montre sur la planche de droite. On fait une dilatation de cette coarctation au ballonnet. On va la dilater. Comme on fait pour l'angioplastie lors des artères coronaires, à peu près la même chose. Sauf que là, on doit mettre un ballonnet.
sinon le traitement chirurgical. Donc, on va réséquer toute cette partie. On va la réséquer complètement. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'intervention de Crawford. C'est la résection suture bout à bout. L'intervention de Crawford. Ensuite, on va mettre en place un tube endacron. Ça veut dire qu'on va réséquer toute cette partie et on va mettre un tube endacron pour rétablir la continuité. D'accord? Voilà. Et une fois que vous avez corrigé la coarctation de l'aorte, vous allez voir que les chiffres tensionnels de votre bébé, plutôt là de votre enfant, même adulte, c'est une perte de partie congénitale qui peut être découverte à l'âge adulte, hein, vont se normaliser avec le temps. Et bon, petite remarque, si les chiffres tensionnels ne se stabilisent pas avec le temps chez un sujet, chez un adulte, il faut penser également à un terrain d'HPA secondaire, à une hypertension artérielle essentielle associée à la coarctation de l'aorte. Donc, même un patient qui présente une coarctation, il a le droit de faire une hypertension artérielle lui aussi. D'accord? Docteur, cette coarctation est uniquement congénitale. Je vous entends très mal. Est-ce que cette coarctation est uniquement congénitale? Oui, c'est une cardiopathie congénitale, coarctation de l'aorte. C'est une malformation congénitale, oui. Alors, on va passer rapidement. La sténose pulmonaire, ce n'est pas très important. C'est très rare comme cardiopathie congénitale. Donc, la sténose pulmonaire, comme on avait vu pour la coarctation de l'aorte, c'est un obstacle à l'éjection du ventricule gauche. La sténose pulmonaire sera donc un obstacle d'éjection au ventricule droit. C'est logique. Donc, tout le retentissement sera essentiellement sur le ventricule droit. Donc, il va y avoir un rétrécissement par soudure commissurale. C'est une... Bon, il y a certains qui la classent parmi les valvulopathies, mais valvulopathie de cause congénitale. Une sténose aortique congénitale, elle peut être essentiellement valvulaire. Donc, c'est le type de description plus important. Vous avez comme une symphyse commissurale, une soudure commissurale, c'est comme pour le RM, c'est exactement la même chose. Elle peut être de type infundibulaire, c'est au niveau un peu plus haut, l'infundibulant pulmonaire. Elle peut être au niveau du tronc de l'artère pulmonaire ou encore elle peut atteindre les bronches. D'accord? Donc, à tous les étages de l'artère pulmonaire, de l'étage valvulaire et au-delà. D'accord? À l'auscultation, logiquement, il va y avoir un souffle éjectionnel au foyer pulmonaire, intense et rapide, diminution du B2. Pourquoi il y a une diminution du B2? Vous allez me répondre. Alors? Parce que c'est sténosé, du coup, il y aura plus de passage de sang. Et alors, le mot-clé, il y aura plus de? Une hyperpression pulmonaire. Très bien, très bien. Il n'y aura pas de pression artérielle, d'hypertension artérielle pulmonaire. D'accord? Très, très bien. À l'ECG, il va y avoir une hypertrophie ventriculaire droite de type systolique. Je ne sais pas si vous avez fait les types systoliques, les hypertrophies, c'est pas grave. Au téléthorax, un cœur en sabot, je vais vous montrer un cœur en sabot, parce qu'il y a une dilatation des cavités droites et du coup, vous allez avoir une cardiomégalie avec une pointe susdiaphragmatique en rapport avec une hypertrophie ventriculaire droite, d'accord? Donc, l'échodoppler cardiaque restera l'examen de choix, toujours, pour visualiser l'anomalie et détecter même le niveau de sténose. L'évolution, elle peut se faire vers l'endocardite infectieuse, vers l'insuffisance cardiaque droite au stade ultime et vers l'hypodéveloppement de l'enfant. Donc, c'est un enfant, il va y avoir une cassure de la courbe staphylo-pondérale et c'est souvent le signe d'appel de cette cardiopathie. D'accord? Donc, le traitement, évidemment, on va lever cet obstacle à l'éjection. Donc, vu que c'est valvulaire, notre type de description, donc on va introduire un cathéter, une sonde minidème ballonnée qui sera gonflée
au niveau des valves pulmonaires, va essayer de les craquer, donc les dilater, tout comme pour le rétrécissement mitral. La seule indication retenue, c'est que lorsque le gradient de pression entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire dépasse les 50 mm de mercure. Retenez le chiffre, 50 mm de mercure. Voilà. La commissurotomie pulmonaire par voie chirurgicale, elle n'est plus pratiquée. D'accord ? Voilà, donc là, on vous montre un petit peu dilatation au ballonnet. Voilà. Là, c'est un cœur normal avec un cœur qui souffre d'un rétrécissement pulmonaire. Il faut savoir que même sur le plan pronostic, c'est une cardiopathie congénitale de bon pronostic à la longue. D'accord ? Même pour, par exemple, chez une femme en âge de procréer, le rétrécissement pulmonaire, c'est la seule cardiopathie congénitale qui ne dérange pas du tout. Donc, elle peut mener une grossesse tout à fait normale et elle peut faire même un accouchement par voie basse, il n'y a aucun problème. Il suffit juste de la surveiller et une surveillance trimestrielle. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Oui, madame. Oui. Très, très bien. Donc, maintenant, est-ce qu'on peut passer à la tétralogie de Fallot ? Oui. La dernière cardiopathie congénitale qui nous reste. Voilà. Donc, la tétralogie de Fallot, c'est la cardiopathie congénitale préférée du professeur Nivoche. Il peut vous poser des questions sur la tétralogie de Fallot. Voilà. Donc, d'abord, on va définir qu'est-ce qu'une cardiopathie congénitale cyanogène. Donc, c'est toute cardiopathie congénitale, comme son nom l'indique, responsable de la cyanose. Dans son mécanisme physiopathologique, elles sont nombreuses. On va s'intéresser uniquement à la tétralogie de Fallot. Alors, je vais vous montrer une plaque, deux plaques, pour essayer d'écrire un petit peu. Voilà le corps en sabot de tout à l'heure. Ça ressemble exactement à un sabot. Hein? Retenez-le. Donc, tétralogie de Fallot, c'est la malformation cardiaque congénitale cyanogène la plus fréquente avec une incidence d'environ 1 pour 10 000 naissances vivantes. Il faut savoir qu'elle a été décrite la première fois en 1671, mais ce n'est comme les années, qu'aux années 1800, donc je ne me rappelle plus la date, que donc monsieur Arthur Fallot l'a individualisée. Et il a donné une bonne description à travers ses observations. Donc, il l'appelait à l'époque la maladie bleue. Pourquoi on l'appelait la maladie bleue ? Parce que les enfants étaient cyanosés. Ils avaient tous de la cyanose. D'accord ? Et donc, on l'appelait la maladie bleue. Donc, le terme tétralogie de Fallot n'était utilisé qu'aux années 1900. Donc, 1920, je ne me rappelle plus la date, 20-24, voilà. Pourquoi on appelle tétralogie ? Parce qu'effectivement, il y a 4 anomalies. Alors, la première anomalie congénitale, donc vous avez l'obstruction, la sténose pulmonaire. Voilà, la sténose pulmonaire. Alors, la sténose pulmonaire engendrera une hypertrophie ventriculaire droite. Voilà, vous allez avoir aussi une communication interventriculaire sous donc l'infundibulaire, c'est une périmembraneuse sous artérielle, sous aortique. Voilà. Donc, elle est sous aortique. Et quatrièmement, vous allez avoir une dextraposition de l'aorte. Ça veut dire ce qu'on appelle une aorte à cheval. C'est une aorte qui est un petit peu déviée à droite. Elle n'a pas une position normale par rapport à l'aorte qu'on connaît. Elle est un peu déviée à droite. Est-ce que c'est clair ou je répète ? Oui, c'est clair. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, la dernière partie ? Oui, je répète. Donc, nous avons 4 principales anomalies caractéristiques, essentiellement la sténose pulmonaire, d'accord, qui va engendrer l'hypertrophie ventriculaire droite, que vous voyez clairement,
Voilà. Troisième anomalie, nous avons une communication interventriculaire sous-aortique. Donc, c'est une périmembraneuse. Elle est sous-aortique. Elle est située au niveau du septum membraneux, comme vous le voyez clairement. Et la quatrième anomalie, c'est ce qu'on appelle la dextraposition de l'aorte. Ça veut dire que l'aorte, elle est un petit peu déviée à droite. D'accord ? C'est une aorte à cheval. Elle est légèrement déviée à droite. Elle garde ses fonctions. D'accord ? Elle est juste déviée. C'est tout. Voilà. Donc, alors, on s'est arrêté où ? Je reviens. L'hypertrophie. OK. Mais en fait, la maladie principale, donc si on passe à la vie embryonnaire, la principale pathologie ou la principale lésion qui va créer toute cette tétralogie de Fallot, c'est l'hypodéveloppement de la voie infundibulo-pulmonaire. Donc, c'est la seule anomalie qui va engendrer les autres. D'accord ? Voilà. La sténose pulmonaire, à son tour, elle peut être, donc, comme on l'avait étudié auparavant, infundibulaire, valvulaire, troncale, ou ça touche les branches de l'artère pulmonaire. Voilà. La définition. Le corps en sabot. Alors, cliniquement, il faut savoir que la cyanose est le signe principal. La cyanose, c'est le maître symptôme. C'est le signe d'appel. La précocité et son intensité sont un reflet fidèle de la sévérité de la cardiopathie. Dans les formes légères, la cyanose, elle peut ne pas du tout exister à la naissance. Et elle peut apparaître après, à l'âge d'un an. C'est ce qu'on appelle le Fallot rose. Le Fallot rose, on l'appelle comme ça. Deuxième signe qui peut exister, c'est l'hypocratisme digital. Alors, on peut avoir plusieurs autres signes, voilà, tels que le retard saturopondéral, le squatting d'effort. Qu'est-ce qu'un squatting d'effort? C'est très, très important. Donc, c'est un accroupissement d'effort. Pourquoi? Donc, vous avez, en fait, c'est l'enfant lui-même, il va faire un squatting d'effort. Il va apprendre à le faire. Donc, il va, c'est comme, il va s'accroupir. Il va s'accroupir pourquoi? Il va constater que sa cyanose va s'améliorer. À votre avis, pourquoi? Parce que tout simplement, on va augmenter les résistances systémiques qui vont améliorer le débit pulmonaire. Pardon? Vous m'entendez? Oui, madame. Oui. D'accord. Je ne sais pas pourquoi ça se coupe. D'accord. Je vous ai dit que le squatting d'effort est très important. Donc, dans un premier temps, le patient donc, il va s'accroupir pour essayer d'augmenter des résistances, ses résistances systémiques, et donc augmenter le retour veineux également, qui va lui-même augmenter le débit pulmonaire et donc améliorer sa perfusion. Et donc, réduire sa cyanose. D'accord ? À l'auscultation, donc, vu les quatre anomalies, vous allez pouvoir déduire le souffle. Donc, c'est un souffle endapexien. Il est essentiellement endapexien au niveau de la base. Il va associer le souffle de la communication interventriculaire avec le souffle de rétrécissement pulmonaire. Essentiellement ça. D'accord ? Voilà. Le CG, vous allez avoir une hypertrophie ventriculaire droite de type adaptation. Donc, qu'est-ce qu'on appelle une hypertrophie de type adaptation? Ça veut dire que vous avez un aspect exclusif R sur S, grande R, petit f en V1. Et tout de suite, vous allez obtenir la zone de transition. Donc, elle est atteinte dès la deuxième dérivation. Quand vous avez ça, essayez de penser à une tétralogie de Fallot. Non, pas tout de suite, bien sûr. D'accord ? HVG, HVD de type adaptation, ça veut dire que la zone de transition, votre zone de transition, elle va être observée directement en V2, d'emblée. Elle est très précoce. Alors, le téléthorax, on va observer un cœur dans le cerveau. L'échocardiographie restera l'examen de choix pour visualiser les quatre anomalies décrites.
le diagnostic anténatal est aussi faisable à l'écho-fœtal. Alors, en matière de cardiopathie congénitale, à partir de 22 semaines, même pas 20 semaines, il y a ceux qui disent 12 semaines. Alors, à partir de la première échographie, l'écho de 12 semaines, on peut détecter une anomalie cardiaque. Retenez ça. Le diagnostic anténatal est très, 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 très important. Il est primordial, malheureusement, peu disponible chez nous. En Algérie, les cardiopathies congénitales souffrent d'un sous-diagnostic. Elles sont sous-diagnostiquées. Donc, je ne sais pas, parce qu'il y a peu de gens entraînés ou expérimentés dans ce type de créneau. Donc, il n'y a pas trop de gens qui s'intéressent à ça, malheureusement. Et comme elles sont sous-estimées, donc elles sont mal prises en charge à la naissance, vu qu'elles nécessitent une prise en charge pluridisciplinaire. Et souvent, en Algérie, le pronostic n'est pas bon, malheureusement pour nous. Voilà. Alors. Madame, s'il vous plaît. Oui. Vous avez dit que le diagnostic anténatal, on peut le faire à partir de la 12e ou de la 20e semaine? Non, 12, 12. 12 semaines déjà, vous pouvez le faire. D'accord, merci. 12 semaines, c'est possible. Docteur. Oui. Et si on le fait, c'est quoi la prise en charge si on fait le diagnostic? Déjà, on est préparé. Qu'on aura, par exemple, que la maman déjà elle est préparée, qu'elle aura un enfant qui va présenter une cardiopathie congénitale. Et comme vous savez très bien, une malformation appelle une malformation. Donc, elle est déjà préparée. Son enfant pourrait avoir aussi d'autres malformations. Sur le plan cardiaque, il faut le prendre en charge. Ça veut dire qu'il faut le mettre dans un service spécialisé en chirurgie cardiaque infantile s'il nécessite une intervention chirurgicale urgente. Il faut le mettre dans un centre spécialisé s'il nécessite un geste d'urgence, par exemple ce qu'on appelle une manœuvre de Rashkind pour maintenir le foramen ovale ouvert dans certaines cardiopathies congénitales très complexes telles que la transposition des gros vaisseaux, pour essayer de maintenir l'enfant vivant pendant au moins 2-3 jours en attendant la chirurgie. Pour voir le pronostic de la cardiopathie à long terme, est-ce qu'elle est viable, est-ce qu'elle n'est pas viable? S'il présente une cardiopathie non viable, on va la préparer physiquement, on va lui dire, madame, votre enfant ne va pas probablement vivre. Donc déjà, elle s'attend à ça. Elle va s'attendre à ça. Elle va être, donc surtout, c'est pour la planification de l'accouchement et de la prise en charge en néonatalogie, ils vont le mettre dans un centre spécialisé. C'est essentiellement ça. D'accord? Et plus la prise en charge est rapide, plus le pronostic est bon, est meilleur. Est-ce que c'est clair? Oui, merci. Je vous en prie. Alors, je disais, l'échocardiographie reste l'examen de référence, le cathétérisme cardiaque, donc quelquefois nécessaire, en vue de visualiser les branches de l'artère pulmonaire et apprécier surtout la sévérité de la maladie. L'IRM cardiaque, examen incontournable pour évaluation très précise de la cardiopathie. Les complications possibles, c'est la crise de cyanose. Donc, alors, retenez, s'il y a un message que je peux vous transmettre, c'est que lors d'une tétralogie de Fallot en pleine crise de cyanose, donnez des bêta-bloquants par voie intraveineuse. Bêta-bloquants avlocardiles essentiellement, donc idéalement, l'avlocardile. Si vous ne disposez pas de l'avlocardile, vous pouvez utiliser d'autres bêta-bloquants, mais idéalement par voie intraveineuse, ensuite par voie orale, afin de lever l'obstacle, le spasme infundibulaire. D'accord? Le spasme sur la voie infundibulo-pulmonaire. Pensez aussi à alcaliniser le milieu. Donc, si vous avez de la cyanose, ça veut dire que la concentration en oxygène au niveau de votre sang, elle est très, très diminuée. Et donc là, vous êtes en alcalose métabolique et probablement métabolique et respiratoire. Donc, il faut essayer d'alcaliniser le milieu en donnant en donnant du bicarbonate de sodium. D'accord? L'oxygénothérapie, elle est aussi indispensable. Et s'il y a un autre message que je vais vous transmettre, c'est ne jamais, jamais, jamais
donner des diurétiques par voie intraveineuse pour un patient qui souffre du tétralogie de Fallot. C'est strictement contre-indiqué. Pourquoi ? Parce que vous allez diminuer le retour veineux, donc vous allez réduire la précharge et donc son débit pulmonaire, donc vous allez réduire ses chances d'oxygénation qui sont déjà réduites à la base. Est-ce que c'est clair ? Oui. Le message est passé ? Oui, c'est bon. Parfait. Donc, crise de cyanose, quelles sont les autres complications possibles ? Donc, abcès cérébral, endocardite infectieuse, thrombose veineuse. Il faut savoir que la tétralogie de Fallot, c'est une cardiopathie à haut risque thrombotique. C'est en rapport avec une hémoconcentration très importante. C'est pour ça que vous avez beaucoup de thrombose veineuse, d'abcès cérébral, de thrombose cérébrale. C'est un terrain à risque, vu l'hémoconcentration. D'accord ? Voilà. Donc, comment on traite ? Donc, un peu d'histoire. En 45, Hélène Tötting, donc c'est une cardiopédiatre autrichienne, elle avait remarqué que les enfants en tétralogie de Fallot qui possédaient un canal artériel, rappelez-vous bien, un canal artériel, avaient un meilleur pronostic que les enfants en tétralogie de Fallot qui n'avaient pas de canal artériel. Alors, à votre avis, pourquoi ? Alors, je vous laisse un petit temps de réflexion. Dites-moi pourquoi. Parce qu'il y a plus de son oxygéné qui va vers l'artère pulmonaire. Exactement. Exactement. Donc, on va apporter un peu plus du sang oxygéné. Donc, on va essayer de ramener du sang artériel dans la voie pulmonaire. D'accord ? Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a écrit une lettre à M. Blalock. Donc, Blalock, lui, qui était le chirurgien. Voilà. Elle lui disait de proposer, d'essayer de proposer. Elle lui demandait d'essayer de proposer une intervention chirurgicale qui va du genre. Ça veut dire une création d'un canal artériel, artificiel, si vous voulez. Et donc, initialement, la première intervention de Blalock Tötting, donc on utilisait l'artère sous clavière. J'essaie de vous montrer. Le canal artériel artificiel était l'artère sous clavière qui servait de canal artériel. Ensuite, on avait remarqué des années plus tard qu'il peut y avoir une dégénérescence de ce pan qui est très important. Et tout en sachant que l'artère sous clavière a un rôle très, très important, donc à la longue, les gens souffraient de complications dues à ça. Donc, on s'est dit, pourquoi on ne crée pas un canal artériel par voie chirurgicale en utilisant d'autres techniques, un autre tube. Donc, on a inventé le fameux tube en Gore-Tex, donc, qui va jouer le rôle d'un canal artériel, qui va essayer de relier l'artère pulmonaire, l'aorte et la sous-clavière. Regardez, l'artère sous-clavière, qui est une branche de l'aorte, à l'artère pulmonaire, c'est ce qu'on appelle le Blalock modifié. D'accord ? Le Blalock, donc, c'est l'intervention de Blalock Tötting. En B, vous avez l'intervention de Blalock modifiée. Voilà. D'autres interventions sont possibles. Le Blalock modifié et nous avons aussi le traitement chirurgical de réparation complète. Donc, la réparation complète, c'est le meilleur traitement actuellement. Ça veut dire que vous ouvrez et vous réparez toutes les anomalies possibles. Et en général, les complications post-op sont rares et vous permettez à l'enfant d'avoir une vie entièrement normale. Voilà. Possibilité aussi de faire un traitement percutané, bon, comme alternative au traitement chirurgical, c'est l'implantation d'un stent valvé en position pulmonaire. Ça veut dire qu'on va essayer d'élargir la voie pulmonaire. Le succès de la procédure est proche de 98% à 100%. C'est une intervention courte avec un résultat, avec un excellent résultat, hautement satisfaisant, avec une mortalité nulle. Donc, sur ce, on termine les cardiopathies congénitales. J'espère que vous avez compris.
Et je vous remercie. Merci à vous. Ben, je vous laisse avec cette... Merci, docteur. Je vous en prie. Avec cette belle illustration de la société française, de la, enfin, la prise en charge des cardiopathies congénitales. Voilà. Un message clé. C'est un thème très important. Donc, essayez de sensibiliser les autres. Parlons-en. En Algérie, c'est très, très, très sous-diagnostiqué. Donc, essayez de sensibiliser les autres. Essayez de palper et d'ausculter tout nouveau-né et tout nourrisson. Ne négligez pas cela. Tout souffle doit vous appeler. Donc, essayez de voir même les lieux d'irradiation. Voilà. Interrogez bien la maman sur la grossesse, sur, je ne sais pas, prise médicamenteuse, sur une éventuelle notion d'infection virale. Voilà. Le déroulement de l'accouchement, la grossesse, la vie, enfin, néonatale, c'est très, très important, tout ça. Et je vous remercie encore une fois. Merci. Merci à vous. Merci, docteur. Je vous en prie. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie, j'espère que vous avez bien compris. Oui. Oui, très bien. Parfait. Allez, oui. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. S'il vous plaît, vous nous envoyez l'enregistrement. Merci.